Freddy du coup. Asking for it, un petit second. Oh non, pas ce niveau là. Allez, c'est parti, niveau 9. Ah, ce niveau, je le... Plus j'y joue et plus je le déteste. Hein. Ah, pourquoi ils ont mis un tube ici? Ça mène à rien du tout. Ouais. Donc, ce niveau-là, il est très difficile, je trouve. Je trouve, enfin, personnellement, je trouve que c'est un niveau des plus durs du jeu. C'est pas parce qu'il y a des zones de plateforme assez difficiles, mais c'est un tout en fait. Des ennemis ou one shot, quasiment tous. Hein. Il faut bien faire gaffe à tout ce qu'on fait, etc. Vous verrez. Vous allez souffrir en même temps que moi. Non. Donc il y a des petits robots. Hein. Ils ont l'air inoffensifs, ils besoin des zigzags. Et ben en fait non. Si vous les touchez au corps à corps, ils vous one shot. Voilà. Ils vous explosent la gueule. Ça c'est fait, hein. Voilà. Sinon. Donc il y a les rouages hein, qui vous poursuivent. Voilà. C'est le truc, c'est les erreurs aussi. Enfin c'est les trucs que les développeurs ont mis pour bien faire chier. Ils disent ah il y a un truc d'eau, vous serez un petit peu à l'abri dedans. Mais en fait non, si vous êtes dedans, bah vous faites écraser. C'est que des petits trucs qui la première fois vous êtes sûr de vous faire avoir. Bref. Bon là à force j'ai l'habitude hein, donc je connais quasiment le chemin par cœur. Mais ben oulé putain. Vous avez vu, peu de choses hein. Du chaud. Bref, bon, comme je l'ai dit, je connais pas le parcours. Hein. Bah, il faut aller à droite. Bon ici rien de compliqué pour le moment. Hein. Par contre là ça va être chiant maintenant. On va nager et quasiment tous les mobs vous touchent. Ah, un petit bug sympa. Donc en gros, si on appuie sur coup de poing, on reste figé dans le l'eau. Ok. Ah, on marche même sur l'eau. Cool. Bon. Je savais pas. Moi, on peut pas marcher sur les pics. Allez, cette fois c'est la bonne. Voilà. Bien. J'ai failli me faire baiser par le... par moi-même. En donnant un coup de poing. Je peux me prendre le pic. Oh non, encore de l'eau. Ah, c'est quand même bien le truc là qui. Le bug qui amortit la chute. Bon, ces poissons là, ils sont un petit peu comme dans Crash Bandicoot. Le 3, je sais pas si vous vous souvenez. Il y a des sortes d'ennemis qui vous imitent. Et ils me font beaucoup penser à eux. On est poursuivi par trois serpents de mer. Whisker ! Oh non. Oui, allez. Oh non. Ouf. Encore un autre. Vous avez vu, on est quand même assailli. Hein. Il y a des serpents, il y a des serpents de mer. Hein. Les requins ont essayé de bouffer quelque chose, mais c'était pas moi. Bon, si... sinon, maintenant c'est le mix des deux trucs qu'on a fait avant. Hein. Rouage plus eau. Voilà. Vous croyez que c'était ça, hein. Ça serait trop facile. Ça va.
Donc c'est vraiment pervers, hein. Ils vous font croire qu'il y a des pics en dessous, n'y va pas, c'est trop dangereux. Et en fin de compte, c'est le bon chemin. C'est quand même tordu. Hein. Allez, le pic, le saut, et on va à gauche. Hop là. C'est vraiment un truc qu'il faut vraiment savoir, sinon bah, vous échouez misérablement. Tac. Et... N'empêche, c'est vraiment pervers quoi. J'imagine mal la tête des gens qui sont dit ça, enfin... Je me suis fait bouffer. Et mon cadavre se fait bouffer aussi. Oh l'enfoiré. L'autre face. Allez, on va prendre la vie. Non ! Justesse, hein. Donc le canard en fait ce qu'il fait, ce que c'est un super mob. Franchement il est hyper puissant. S'il est en face de vous et qu'il vous regarde, il vous donne un petit coup et après il vous donne un tout gros coup. Et ça vous one shot. Donc la technique c'est soit de vous l'assommer, comme ça il regarde vers le bas, soit de vous donner juste un coup, comme ça il regarde vers la droite ou la gauche. Vous avez vu là? S'il m'aurait touché, s'il faisait ça, ben je vous démorce le coup. Ouh, comment j'ai évité ça. Oh, oula, ça c'est fait. Putain, j'ai frôlé le pic, quoi. Et bah, pas cette fois. Allez. Toi, tu me le paieras un jour. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Mais eux, ils meurent pas quand tu touches le pic, hein. Normal. Ils peuvent le traverser, vous, hein. Bon, on va revenir, je vais essayer de le finir. Il n'est pas mort. Oh, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'ils sont combattus. Je sais pas si vous avez vu. Il y a un bruit de... Ah non, il y a quoi hein. Un bruit de dents, ensuite un bruit de coup de poing. Il reste deux carrés. Voilà, enfin. Allez, il reste plus que ça, et on y est. Je suis un peu prudent. Hein. Le prochain niveau va être comme une bombe. Mets tes chaussures. Ça va trop vite. Donc, niveau 10. Ah oui, j'ai oublié de vous faire écouter ça. C'est le bruit du start. Même le start a une bonne musique, pour vous dire. Enfin, un bon tempo. Voilà. Donc, ce niveau-là. Là. Que dire? C'est en fait un... Comme le nom l'indique, un rat race. C'est un parcours avec un rat. Donc en gros, il court. Et il y a une bombe au bout du parcours. Et donc le premier qui arrive active la bombe. Donc si c'est lui, ben je crève, si c'est moi, ben c'est lui qui crève. Donc on va essayer de faire au mieux, hein. Ah. Première bombe, hop là. Ah, il était à gauche. Juste pour info, hein. Il y a un glitch qui existe, qui fait que si vous touchez le rat et que vous le finissez pendant qu'il descend, hein, avant de toucher le sol, hein, bon après je sais plus, hein, ben, ça vous fait directement passer au prochain niveau. On va essayer de faire un truc original. On va essayer de courir, enfin un handicap plutôt. Hein. On va courir et se mettre comme en position comme ça, comme vous voyez, en position accroupie, hein, en appuyant sur le bas.
donner des trucs assez sympas. Allez. On va essayer. Bon, si je triche un peu, m'en voulez pas. Hein. Tac, tac, tac. Quand c'est en ligne droite, comme ça, c'est facile. Mais quand il y a une plateforme comme ça qui vient vers nous, ben là, c'est mort. Pas vraiment me mettre en copie hein. Et bingo à gauche. Ah. Je suis fort. Bon, ça commence bien. Bon, la partie là elle est chaude maintenant. C'est la même chose qu'avant sauf que c'est beaucoup plus rapide. Là vous avez très très peu de marge d'erreur. Si jamais quelqu'un arrive à faire comme je l'ai dit avant là, à courir et à faire de la roupie comme je fais à l'instant et de finir la troisième partie, donc celle qui va venir, bah, franchement chapeau. Je pourrais même lui faire une vidéo spéciale. Allez, on va essayer.